Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Lego Minifigure Harry Potter. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, je la mettrai ici en fichier et dans la barre de description. Et forcément je vous conseille de la voir avant parce que je vais montrer ma liste qui sera cochée avec ceux qu'on a eu dans les précédentes vidéos. Et donc voilà. Les pochettes, comment elles sont? Du coup, c'est parti hein. Et c'est malheureusement un double. Alors, je vais l'assembler vite fait. Et je ne vais pas détacher les baguettes. Voilà. Où on a Voldemort. Avec sa robe verte. Un chat aussi qui est réveillé. Midona qui s'est réveillée. Et qui est en train de miauler. Et voici Nagini. Ah. Qui s'enfuit. Ah, et si vous entendez des bruits de marteau ou des trucs comme ça, hein, je suis désolée, les voisins, ils font encore des travaux, donc pour changer, il y a du bruit. Eh bien, la mise au point ne veut pas se faire Nagini, sur Nagini. Eh bien, pourquoi il ne va pas faire la mise au point sur Nagini trop petit? C'est pas possible. Ah, là. Il y a du mal, là. Et du coup, les baguettes sont blanches cette fois-ci. Bon, voilà, hop. Deuxième figurine, on a... Ah, un nouveau. On a Dumbledore. Alors, on va voir. D'ailleurs, voici la liste. Donc, il y a tout cela de Harry Potter qu'on peut avoir. Et cela des Animaux Fantastiques. Du coup, on a eu Dumbledore. Alors, et on a encore une couleur de baguette différente, donc c'est vraiment sympa qu'ils font des couleurs différentes de baguettes, je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà comment est Dumbledore. Il a du coup des baguettes marron clair. Voilà. Et c'est la pancine, c'est ça, il me semble que c'est ça le nom. Je ne sais plus. Je vais mettre en notation du coup. Des fois, j'ai du mal à me souvenir des noms des choses dans les différentes langues. Et le dernier, parfait. À nouveau, c'est Harry Potter avec sa cape. Et du coup, la cape, elle est holographique d'un côté. Donc, le côté haut, quand il le met de ce côté comme ça, il sera invisible. Et là, c'est l'intérieur. C'est vachement joli.
super bien fait le fait qu'il y ait les deux côtés, je trouve en tout cas. Hop. Trois trucs pour la cape pour bien que ça recouvre Harry Potter, bien que ça le recouvre, c'est logique. Ensuite, hop, sa tête et ses cheveux, avec même les cheveux qui sont un peu écartés pour qu'on voit la cicatrice. Voilà. Vraiment sympa ça, je trouve. Et du coup, hop, il a une baguette aussi. On a encore eu trois couleurs différentes de baguettes aujourd'hui. Je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient fait comme ça différentes couleurs de baguettes. C'est vraiment sympa. Hop. Eh bien. Hop. Allez, tiens ta baguette. Voilà. Ça lui a fait un peu d'énormes trous au niveau des épaules, je trouve. Mais sinon, c'est vraiment sympa. Et la cape était un peu pliée, mais au final c'est pas gênant parce que du coup on voit très bien, ou peut-être que c'est même fait exprès parce que même sur l'image elle est un petit peu pliée, comme ça on voit bien l'intérieur de la cape aussi. Et je trouve l'effet vraiment pas mal, c'est vraiment sympa. Et du coup ma figurine préférée d'aujourd'hui, ça va être celle d'Harry Potter. Vraiment, j'aime beaucoup les deux côtés de la cape, c'est vraiment sympa. Et puis du coup, bien voir la différence, ils ont bien fait le détail jusqu'au bout. En temps général, Lego, ils font quand même de bons trucs. Hein. Et du coup, je suis contente puisque j'en ai eu deux nouveaux. Donc dites-moi en commentaire lequel vous préférez, ou lesquels, hein. Ou alors peut-être qu'il y en a d'autres sur la liste que vous préférez. Bon, je sais pas, moi j'aimerais bien en avoir des animaux fantastiques. De toute façon, j'aimerais tous les avoir, hein, mais j'aimerais beaucoup avoir Newt, surtout. Mais au moins, on a eu un Harry Potter, c'est vraiment pas mal. Donc je suis contente. Je suis désolée pour les bruits. De travaux, mais ils en ont pour un moment encore et du coup je vais pas pouvoir arrêter de filmer, mais je pensais que j'avais attendu assez parce qu'ils avaient arrêté de faire du bruit et finalement c'est reparti. Tant pis. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo, et si vous êtes au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter @Desiriac, et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. À samedi.